Adrien Boivin, bienvenue dans le 11-12. Merci. Vous êtes le secrétaire de l'association A Vélo Malo. Quel est son but, tout d'abord ? A Vélo Malo, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'usage du vélo sur Saint-Malo et son agglomération. Donc ce n'est pas une association sportive, il n'est pas question de performance ni rien, hein, c'est bien du vélo du quotidien qu'on parle. Et on participe notamment à certaines instances locales, donc auprès de la mairie, auprès de l'agglomération pour aménager certains quartiers. On fait remonter aussi des incidents qui peuvent survenir et qui impliquent des cyclistes, et il y en a eu quelques-uns ces derniers temps. Et puis on participe aussi aux échanges avec le conseil départemental pour l'aménagement du barrage, qui est un dossier un peu récurrent. Absolument. Aussi dans le secteur. Donc vous êtes bien actif. Voilà, on a quelques dossiers sur le feu là. Combien de membres compte votre association actuellement ? Alors membres actifs, je ne saurais pas vous donner un chiffre exact. On a une liste de diffusion d'un peu plus de 300-350 personnes. Donc c'est une association qui reste assez contenue, hein, et puis avec un prix d'adhésion qui est vraiment... Justement, minime, c'est la question que j'allais vous poser. Non, en fait, on demande 5€ seulement d'adhésion à nos adhérents. Mmh. Et le but, c'est juste de pouvoir payer, nous, notre propre affiliation à la FUB, qui est la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est une grosse association nationale oui. à laquelle on est rattaché. Mais autrement, nous, en fait, le budget qu'on a, c'est simplement pour pouvoir essayer de dynamiser un petit peu nos animations au sein de la ville, qui ne sont pas extrêmement nombreuses actuellement encore. Il y a la fête du vélo, qui est un gros événement qui rassemble pas mal de monde. En général, on a plus de 300 personnes qui sont présentes. Donc ça permet de montrer aussi qu'il y a des pratiquants sur Saint-Malo, que c'est quelque chose quand même qui se popularise de plus en plus. Et puis, on a quelques événements ponctuels dans l'année, comme Cycliste Brillé, qui est une animation qui a lieu au mois de décembre, donc sur le premier week-end de décembre, le samedi soir. Et l'idée, c'est de sensibiliser les cyclistes au fait de se rendre visibles en hiver, quand la visibilité commence à diminuer un petit peu pour les automobilistes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ressembler à une guirlande électrique, mais c'est au moins ça. Être vu. On est dans l'esprit percuté. De Noël. Le but, c'est de ressembler à un sapin de Noël. C'est très bien. Non, mais gilet jaune et éclairage, c'est un minimum quand il commence à faire sombre. Comment est-ce que vous réagissez, Adrien Boivin, quand vous circulez à vélo, notamment à Saint-Malo, et que vous voyez des jeunes ou moins jeunes qui ne sont pas équipés ? Ça vous arrive d'en parler avec eux ou... Alors, je n'ai pas forcément l'occasion de faire vraiment de la sensibilisation, parce que souvent, tout le monde est en mouvement et on a du mal à s'interpeller. Mais c'est vrai que je suis un petit peu embêté, parce que ça ne donne pas forcément une très bonne image en plus. Hein. C'est un sujet, des fois, le vélo en ville, qui est un peu clivant. Et c'est vrai que les mauvais exemples sont présents aussi. Hein. Alors, il y a de mauvais automobilistes, mais il y a aussi de mauvais cyclistes, ça existe. Donc nous aussi, notre rôle, c'est de sensibiliser sur les bonnes conduites à vélo, donc notamment sur le fait de se rendre visible, mais aussi sur les usages. D'être sur les pistes cyclables. Alors les pistes cyclables, quand il y en a, alors, bien sûr, il faut aussi être conscient de ce que le code de la route autorise, hein, parce que... On a souvent tendance à opposer automobilistes et cyclistes, et les cyclistes n'utilisent pas des pistes cyclables qui coûtent une fortune. Les pistes cyclables, elles sont rarement obligatoires. Hein, tant qu'on n'a pas un panneau circulaire, c'est qu'on n'est pas tenu de rouler dessus. Et souvent, les cyclistes préféreraient pouvoir rouler à l'écart des voitures. S'ils ne le font pas, c'est certainement qu'il y a une bonne raison. Donc, par exemple, on a actuellement la zone Atalante qui est très, très bien équipée avec une superbe piste. Sauf qu'actuellement, la piste est fermée pour des raisons de travaux et on ne peut pas l'emprunter. Donc, on est obligé de se rabattre sur la route ou sur un itinéraire alternatif qui fait faire un détour important. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on peut s'attendre à retrouver des cyclistes sur la route. Il faut être un peu tolérant des deux côtés. Il y a aussi des expérimentations, je pense notamment à Saint-Servant pour monter la rue Georges Clémenceau. Oui, alors c'est pareil. Hein, maintenant, le code de la route autorise dans les zones à 30 km/h de pouvoir utiliser le double sens cyclable lors dans des rues à sens unique. Donc les vélos ont le droit de remonter en sens interdit. Ça peut être un peu déroutant quand on est au volant de se retrouver face à un cycliste à contre-courant, mais c'est autorisé. Donc, ceci dit, c'est indiqué sur les panneaux. Là, sur Saint-Servant, c'est bien précisé.
Mais ça peut aussi être le cas dans d'autres quartiers. En fait, le code de la route le tolère. Donc, il faut s'attendre à tout moment à croiser un cycliste qui remonte le courant. Adrien Boivin, actuellement sur Saint-Malo, puisque vous l'évoquiez il y a quelques minutes, est-ce qu'il y a un dossier pour étendre justement les pistes cyclables? Alors, dans l'agglomération, ouais, il est question d'avoir une espèce de réseau urbain qui va s'étendre sur les petites communes voisines. Donc, il est question notamment là dans l'immédiat de relier par exemple des villes comme Château-Malo. Il y a aussi un projet pour que la Gouesnière, la gare de la Gouesnière-Cancale et Cancale soient aussi rattachées les unes aux autres. Parce qu'actuellement, on est obligé d'utiliser des petites routes secondaires ou alors des départementales qui sont très passantes et assez dangereuses. Donc, petit à petit, oui, le réseau va s'étoffer. On va sans doute aller progressivement vers quelque chose qui ressemblera à ce qui se fait dans l'agglomération rennaise, avec un maillage de plus en plus étoffé entre les communes de la première, voire seconde couronne rennaise. Donc, pour l'avoir beaucoup emprunté, moi, au cours des 2 dernières années, ce réseau-là, Quand vous c'est travaillez extrêmement là-bas, oui. confortable. Moi, je travaillais sur Rennes pendant quelques années. Et effectivement, c'est très, très agréable. On appelle ça des autoroutes à vélo, mais c'est vraiment de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'on va souvent beaucoup plus vite, finalement, à vélo qu'en bouchonnant sur la rocade, enfin, sur le périphérique autour de Rennes. Donc, on espère que ouais, rapidement, on puisse avoir un petit report modal, si les conditions le permettent, en fait, qu'on a des aménagements qui sont à la hauteur, que les gens qui habitent en périphérie de Saint-Malo puissent se tourner vers le vélo sans avoir cette espèce de frein autour de la sécurité routière. Parce que c'est quand même un des freins majeurs pour beaucoup de gens de devoir un petit peu se mettre en danger au milieu des voitures. Alors Adrien Boivin, je vous ai aussi invité aujourd'hui dans l'11-12 pour parler de votre participation active dans le cadre des rendez-vous de la mobilité. Oui. Alors il y a à Vélo Carago, je précise les modalités dès à présent, ce sera donc le samedi 5 octobre, rendez-vous de 10h à 17h sur le parvis de la médiathèque côté gare. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se vivre ce jour-là. Oui, alors à Vélo Cargo, c'est une deuxième édition, puisque l'année dernière déjà, on avait organisé avec l'association Déchaîne ton Biclou une course Vélo Cargo. Donc Déchaîne ton Biclou, qui est une association d'autoréparation de vélos. La petite boucle aussi avait participé à la partie logistique de l'installation de cette course. Donc, La petite boucle. alors la petite boucle, c'est de la cyclo-logistique. D'accord. C'est une petite entreprise qui a commencé en récupérant les déchets organiques des restaurants de Saint-Malo pour en faire du compost, qui était ensuite réutilisé localement. Et donc, c'est une entreprise qui s'étend de plus en plus, qui commence à avoir un petit peu plus de personnel, et donc qui propose des services uniquement à vélo, donc vélo cargo, ou alors Ah oui, des j'en ai vu gros circuler en vélos ville, de trait avec des remorques très imposantes. Et donc, il montre aussi que même à vélo, on peut transporter 300 kilos de marchandises, ça se fait. Donc, ils seront également associés à l'organisation de cet événement à Vélo oui, parce Cargo le qu'il 5 y a octobre. plusieurs événements. Il y aura des ateliers. J'ai vu que, oui, course de vélo cargo, Voilà, on vous l'avez renouvelle. dit, slow bike. Oui, donc le but de cette course slow bike, c'est de ne pas aller vite. Précisément. Voilà, on aura un petit tronçon très court à parcourir et le vainqueur, c'est celui qui arrive le dernier à la ligne d'arrivée Ah. sans poser pied à terre. Et donc, Ça on veut dire quoi fera. ça justement, Adrien Boivin? Blague à part, ça signifie quoi? C'est toute une façon de repenser nos... On parle de Alors, circulation ouais, tout à fait. douce, c'est... Nous, on Ouais. est dans cet esprit. Donc, je disais tout à l'heure qu'on n'était clairement pas une association Oui. à visée sportive. Là, on est là beaucoup pour s'amuser, pour apaiser aussi les déplacements en ville, hein. Le but aussi, c'est de petit Coexister, à petit, ouais, voilà, pacifiquement. montrer aussi qu'on peut ralentir sans que ce soit forcément pénalisant dans son quotidien. Moi, ça fait des années que je fais que des déplacements à vélo et finalement, je perds pas de temps. Hein. Quand on reçoit des amis qui veulent visiter Saint-Malo, Surtout l'été à Saint-Malo, et on se rend j'en sais compte quelque chose. qu'on gagne un temps fou en Ouais. étant à vélo. Et donc, Ouais. souvent, le frein que donnent les gens, c'est la sécurité. Et puis aussi le fait qu'ils ont toujours beaucoup de choses à transporter, que bah oui, mais moi je peux pas, j'ai des enfants à déposer, comment je vais faire? Je peux pas Ils sont être. contents d'être en vélo cargo, les Et les enfants. enfants, ils adorent le vélo cargo. Le vélo cargo, moi je fais beaucoup de prosélytisme autour de ça parce que c'est vraiment un mode de déplacement qui permet énormément de choses.
C'est comme si on était en voiture, hein. Enfin, moi, j'ai remplacé ma seconde voiture par un vélo cargo. Ça a été un investissement au départ. Début. Il faut reconnaître hein, que c'est un coût. C'est, des c'est vélos... de quel ordre à peu près? On peut donner un. Alors, petit... y a, ça dépend les y modèles. Y a une grande mais... fourchette. Ouais, c'est ça. Les modèles en occasion, on peut trouver des choses à partir de 1 000 euros sans assistance électrique. Après, ça monte à presque 8 000 Oui, euros. ça dépend des modèles, encore une fois, la puissance voilà. et l'assistance Voilà. électrique. Moi, j'ai un modèle sans assistance, très basique, et ça fait très bien l'affaire. Donc les mollets sont, sont musclés. Exactement. Ouais. Alors, Adrien Boivin, effectivement, il y aura aussi des présentations et essais de solutions de transport à vélo voilà. Le samedi 5 octobre. Donc, j'ai sollicité plusieurs exposants qui vont nous présenter donc, des modèles de vélo cargo de différentes sortes. Justement, oui. Biporteur, ouais. Longtail. Pardon. C'est-à-dire les longtails sont des vélos rallongés avec un très long porte-bagages, okay. donc avec un cadre renforcé et qui permettent de transporter deux voire trois enfants à bord. Des biporteurs donc avec une grosse caisse à l'avant. Après, on a des particuliers qui seront présents avec leur propre vélo pour participer aux courses, donc qui pourront aussi présenter d'autres variantes, hein, les triporteurs à trois roues. Voilà, il y a plein, plein d'options plein possibles de possibilités et à découvrir, notamment ouais. aussi les remorques hein, qui sont un investissement au début mais qui finalement permettent de s'adapter sur un vélo basique. Et donc ça aussi, on a une présentation qui sera là. Super. Il y aura des visites guidées à vélo aussi ? Pardon, des visites. Oui. Alors on a deux visites proposées à vélo. On a COEF 180 qui s'associe à cet événement et qui proposera une visite street art dans la ville de Saint-Malo. Et on a aussi, dans le cadre de l'exposition Lee Miller, l'association à Vélo Malo, pardon, qui propose un itinéraire dans Saint-Malo pour retracer un petit peu les changements du paysage entre la libération avec les photos août 44. De août 44 et 2024 et aujourd'hui. Et ouais. C'est assez passionnant. Ouais. Il y aura la projection d'un documentaire. Hein. Voilà, on doit pouvoir s'associer avec la médiathèque. Donc normalement, tout se passera en local. On a essayé de concentrer toutes nos animations au départ du parvis de la médiathèque. Et donc, on aura aussi un documentaire dont je ne veux pas trop parler parce que normalement, on ne doit pas le nommer tant qu'il n'est pas encore diffusé. D'accord. Mais c'est un documentaire qui montrera justement à quel point le vélo peut changer le quotidien et s'intégrer dans le quotidien de beaucoup de gens. Et à quel point ça peut être économique aussi de circuler à vélo ? Clairement. Écologique, économique ? Ouais. Alors, écologique, beaucoup de détracteurs nous disent « c'est pas vous avec votre petit vélo qui allez changer grand-chose ». Et pourtant. Et pourtant. Quand on multiplie le nombre de pratiquants. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai une petite application qui fait le total de tous les kilomètres que je totalise et qui, en même temps, fait la balance avec l'équivalent carbone. Et c'est colossal, en fait. Ouais. Hein. Ouais. C'est parlant, hein, effectivement. Ouais. Et bah écoutez, tout ça est gratuit, hein, en accès libre. Oui, bien hein, sûr. On le rappelle. Est-ce que vous conseillez de venir avec un équipement puisque, ou est-ce qu'il sera fourni sur place? Alors, au niveau si des casques, les gens des n'ont pas de casque, c'est mieux qu'ils en aient un quand même. Il faut l'amener, d'accord. Ouais. Ok. Il n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux d'en avoir. Oui, c'est toujours voilà. ce que je rappelais à mon fils encore hier. Voilà. C'est mieux de sortir à vélo avec un casque. Et surtout quand il pleut, c'est pas mal c'est aussi. C'est ça. Donc il est possible d'essayer des vélos sur place, il est possible d'apporter le sien et de participer aux courses avec son d'accord, propre vélo également. Okay. Voilà. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou Non, c'est sans inscription. Participation libre, sans inscription, il faut juste se présenter au bon moment. Donc le matin, ce sera visite guidée, slow bike, donc à partir de 10h, on organisera plusieurs départs. Et ensuite, l'après-midi, à partir de 13h30, on commence à se rassembler pour organiser les départs de courses vélo-cargo cette fois-ci. Donc, pour les courses vélo-cargo, pas d'assistance. Le but, c'est de le faire à la force des mollets et de pouvoir transporter un équipement assez lourd, voire encombrant, puisque voilà, le but, c'est aussi de montrer qu'on peut trimballer des choses dans un vélo qu'on ne mettrait pas forcément dans sa voiture. Moi, j'ai transporté des plants de bambou de 2,50 m de haut. Je ne l'aurais pas fait en voiture. Ça passe dans mon vélo. Voilà. Faut bien les attacher, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, bon, bah, des animations très sympas qui nous attendent le 5 octobre dans le cadre du deuxième rendez-vous des mobilités. Adrien Boivin, est-ce que vous êtes présent avec A Vélo Malo sur les réseaux sociaux, sur Internet? Oui, alors il y a une page sur Facebook. Nous avons un site Internet également, avelomalo.fr. Et puis, on essaie de communiquer après sur les canaux habituels, donc Agenda ou l'info locale. Voilà. Donc, on peut retrouver normalement les événements de l'association sur tous ces canaux-là. Super. Est-ce que on a parlé effectivement de l'aspect écologique, de l'aspect sportif. Est-ce que vous voyez d'autres
bénéfice au fait de pratiquer régulièrement du vélo? Alors, il n'y a que des avantages à pratiquer le vélo. Hein. On a vu qu'au niveau du mental, c'était extrêmement positif. Les endorphines? Ouais, au bout de combien de temps elles sont produites dans le cerveau? Alors, je ne pourrais pas vous dire. C'est même moins, en même vrai. Moins, Sur un petit trajet d'un quart d'heure, déjà, on peut avoir un peu cette libération-là. Après, effectivement, quand on pédale avec un vélo à assistance électrique, ça va peut-être nécessiter plus de temps parce que le corps se met moins en action, même si il participe aussi au mouvement. Un vélo musculaire va demander quand même plus d'efforts et ça va plus rapidement avoir cet effet bénéfique. Eh bien, merci beaucoup Adrien Boivin d'être venu aujourd'hui dans le 11-12. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de l'association À Vélo Malo et on vous souhaite d'avoir beaucoup de monde, mais je ne doute pas que ce sera le cas le 5 octobre pour À Vélo Cargo sur le parvis de la médiathèque entre 10h et 17h. À bientôt donc. Merci, au revoir Adrien Boivin.